Je suis là dans 3 minutes. Ok, 24, si t'es pas là, Junior. J'arrive dans quelques minutes. Les gars, là, on part d'un dépanneur. Et vous avez lu le titre, les gars, je vais retirer aujourd'hui 1000$. Je vais tester la fidélité de mon petit frère en déposant à côté de lui 1000$, ok? Et là, je vais sortir de la voiture et on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent. C'est à toi ou c'est à moi, Bijou? C'est à moi. C'est à toi ou à moi? J'entre dans le dépanneur, je sais qu'ici, il y a un guichet pour retirer de l'argent. Et je vais retirer 1000$. On est là, les gars, on est là. Les gars, j'ai jamais retiré un aussi gros montant de toute ma vie. C'est trop? Regardez les gars, je vais retirer 1000$, ok? Ça dit que le maximum qu'on peut retirer au guichet, c'est 400$. Je vais essayer de le faire en deux fois alors. Je vais retirer 400. What? Wow! Oh! Ça a été refusé, je comprends. Et les gars, on va aller à la banque alors, j'ai pas le choix. Ça a été refusé. J'espère que j'ai pas été bloqué, hein. Donc les gars, on est arrivé à la banque. Tu m'attends, hein. Et bouge pas. Bouge pas, ok. Le problème que j'ai eu tout à l'heure au dépanneur là, ça m'a fait un peu peur. Comment on contacte ta banque? Moi je suis réglo là, tout est clean là. Je pense que c'est parce que j'ai essayé de retirer 1000$ aussi. J'ai mis 1000$, mais la limite de là-bas là c'est genre 400$. Là maintenant je mets les 400. Là maintenant ça dit, oh non, désolé, on va pas te laisser retirer ça. Contacte ta banque. C'est pas grave. On arrive à la banque, je vais retirer les 1000$. Que des billets de 20. Allez, le total, 1000$. On va juste prendre des 20, ok? Je vais prendre quelques 50 aussi. Non, je vais prendre tout 20 et je vais prendre un 100. Wesh, attends. Je pars de 5. Ouais, c'est parfait comme ça. Ça fait un total de 1000$. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Bon les gars, je viens de sortir de la banque, j'ai bien retiré la thune. On a les 1000$ là. Et j'aimerais encore vous le dire les gars, c'est pas mon argent à moi. Je connais un bouc qui travaille à la banque et là je l'ai appelé, je lui ai dit, yo mon gars, est-ce que tu peux me laisser retirer 1000$? Et là je vais redéposer les 1000$ après. Donc là c'est pas moi les gars, c'est un prêt. C'est pas mon argent, ok? J'ai pas cet argent là dans mon compte en moi. Le plan d'action est que je vais aller à la voiture, je vais montrer l'argent à Bijou. On va discuter, on va parler. Il va sûrement me dire, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? D'où tu sors ça ou quoi? On va juste parler, tu vois, normalement. Ensuite, ça, je vais prendre l'argent, je vais le mettre au milieu de nous deux. Vous voyez, là, on met les jeux et tout, là, au milieu de nous deux, je vais mettre l'argent là. Après ça, à un moment, je vais dire à Bijou que j'ai besoin d'une enveloppe. Donc là, je vais sortir de la voiture, revenir dans la banque, chercher une enveloppe. Et après ça, on va repartir dans la voiture et voir s'il manque de l'argent ou pas. Donc c'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir tester la loyauté de Bijou. Mais je pense, je vais être honnête avec vous, je pense que Bijou va prendre des billets. Le connaissant, il va prendre quelques billets. Peut-être 1, 2 ou 3 billets de 20. Mais au final, il va me rendre l'argent parce que c'est mon frère, tu vois. Si après 5 minutes, Bijou ne m'a pas redonné les billets, il a échoué le test. Donc les gars, je viens de revenir à la voiture. Tu sais qu'est-ce que je suis allé faire ou pas? Le faire quoi? Est-ce que je suis allé retirer? Pour? Oh! C'était dur à retirer, c'était chaud. Pour? Laisse-moi compter. Compte? Compte vite, essaie de compter vite, maintenant la caméra. Tu vois comme Lil Baby là, le mime là. Fais ça avec tes doigts si tu veux. C'est tes doigts! Vas-y. Ça c'est lent, beau. Ça c'est même pas vite. J'ai retiré en plusieurs fois, c'était dur. J'ai retiré en plusieurs fois, même moi je sais pas, il faut que je compte pour savoir il y a combien là. Oh, c'est même pas d'enveloppe. Donc, les gars, attends. 800. 800. 820. Mais les gars, attends. 1020. On a l'argent là. Ah, ce que je comptais faire, c'est que on va dans un magasin et puis j'achète tout le menu. Tout le menu? Tout le menu, ouais, au complet. Avec 1020 dollars. Ouais. Pourquoi faire? Mais pour faire une vidéo, on a pourquoi avec tout cet argent? Comment ça, pourquoi avec tout cet argent? Mais t'as besoin de 100$ et t'es chill? Pour acheter tout le menu d'un magasin? Ouais. Tu penses qu'au McDo, 100$ pour acheter tout le menu? Non. Go. Ok, 200$. Big Mac, Mac poulet. 200$, il allait acheter 1000$, beau. Avec tout cet argent. Ouais. Puisque la vidéo sera grosse, je vais montrer l'argent. Je veux qu'il voit qu'on a dépensé 1000$ pour acheter tout le menu. C'est pour ça que j'ai retiré 1000$. C'est une grosse vidéo, ça. C'est pour ça que j'ai retiré. C'est attends, tout? J'ai même besoin d'une enveloppe, ouais. Mais pourquoi tu filmes? Mais pour leur montrer, ben, pour montrer l'introduction et tout, pour voir. Laisse-moi raconter. Mais attends, j'ai besoin d'une enveloppe de toute façon, attends. Non, pardon, s'il te plaît, tu ne touches pas, attends. J'ai besoin d'une enveloppe. Ou bien t'en as une? Rien dans ton sac à dos. T'as pas? Rien. Ok, attends, j'arrive. Ok. Il sait même pas y a combien d'argent dedans. Attends.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Qui a 1000 dollars. Mais lui, il croyait la 1000 et 20. Attends. Je sais pas si... Attends, je vais juste le faire. Le blagui que j'ai pris 20 dollars. Où je peux cacher ça? Yo, oui. Ils ont failli fermer la banque. Ils ont failli fermer la banque. Je suis arrivé à Tangra, tu vois, non? Ils ont fermé les grillages. Là, quand on dirait, il est vénère, bro. J'arrive là, il me regarde comme ça. Tu veux faire quoi? Je dis, j'ai besoin juste d'une enveloppe. Et il vient, il me donne 4 enveloppes. Bon, bref, c'est ça, les gars. Ou bien, pour le vrai, est-ce que c'est trop, les gars? Dites dans les commentaires, est-ce que c'est trop pour acheter un menu? Mais j'ai retiré ça en 4 fois aussi. Ils étaient là. Ou bien, je te montre la vidéo après. J'ai fait 200 après, j'ai fait 300 après, j'ai fait 250 après, j'ai fait 220 après, j'ai fait 210. J'y allais avec le montant que je pouvais retirer sur le coup. Mais il y a combien? Je sais même pas, j'ai juste retiré au hasard. Quand tu penses que j'ai pris 200, après là, j'ai pris des 20, après j'ai pris... Attends, laisse-moi compter pour voir il y a combien. Regarde comment on compte vite, ok? On va voir il y a combien d'argent là, parce que je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 2. Oh my god, tu vas à l'école pour quoi? 10 fois 2. 200. 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 29. Oh là, c'est pas. 29 fois 2. T'as besoin de calculatrice, hein? 480. 480, 400. Non, qu'est-ce qu'il dit? 30 fois 2, 600. 600 moins 20. Vous voyez? Vous voyez les calculs? Vous voyez les calculs? Vous voyez les calculs? 680, vous voyez 680, les calculs? 680, ma bille. 29 fois 20. 580. 580. Ok, 580 plus 200. On va dire. Les gars, 980 balles, bro, ça c'est chill, bro. Tu vois, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça même? Hein? T'as pris 20 dollars? Ah, c'est à moi, c'est à moi. T'as pris 20 dollars? C'est à moi, c'est à toi ou c'est à moi? Yo! C'est à moi, j'ai. Attends, en plus, c'est les pliés. C'est ça. T'as vu combien de pliés? Attends. 980 divisé par 200 de retrait. À peu près 4 retraits. C'est pas retirer 20 dollars en un coup. What? C'est à toi ou c'est à moi, Bijou? C'est à moi. C'est à toi ou à moi? Attends, laisse-moi voir la vidéo. Bro. C'est à toi ou à moi? C'est à toi? Ok. Faut le dire, non? Ok, donc, les gars, on a 980 dollars ici, ok? Mais c'est à toi ou à moi? Mais tu m'énerves là! C'est à qui? Non, vous devrez savoir, c'est à toi ou à moi? Hein? C'est à toi ou à moi? Si je te dis la vérité, c'est quand même moi qui l'a. Dans tous les cas. Non, c'est à toi ou à moi? Ah, ok. C'est à toi? C'est ton argent? Mais c'est ça, dis-le! Ok, bon. Donc les gars, on a fait ici. Donc tu gardes ton enveloppe, regarde ça si tu veux, parce que j'en ai 4 là. Je ne sais pas, il m'a donné autant d'enveloppe, mais bon, c'est pas grave. On a ici 980 balles. Blague, ça toi. C'est à moi? De vrai? Ouais. Pourquoi tu l'as plié comme ça alors? C'était dans ma poche. T'as pris combien de billets? Un seul. Si ça se trouve, j'avais 1200 balles. Non, t'avais 1000. 1000 piles? Ouais, j'ai compté quand t'es parti. Et pourquoi t'as pris 20? Juste 20. Ah, ok. Ok, en vérité, Bijou. Ok, en vérité, t'as passé le test, bro. C'était pour tester ta fidélité. C'est pour tester la fidélité, il a passé. Mais c'est vrai, j'ai eu la galère pour retirer l'argent. Comme ça, a été galère pour retirer l'argent. Mais je savais il y avait combien exactement. J'ai fait exprès. Je suis sorti de la voiture pour aller chercher des enveloppes et pour revenir à la voiture. Moi, dans ma tête, les gars, parce que je lui ai dit que je sais pas il y a combien ici. Il allait prendre 200 dollars. Ça se trouve, il allait prendre 200 dollars. Il a laissé 700 ici. Il allait dire, oh, t'as 800 dollars, t'as 700 dollars. Un truc comme ça. Il a juste pris 20 dollars. Donc il est loyal, bisous. Il est loyal. Et en plus, la règle que j'ai donnée, c'est que je savais dans tous les cas que t'allais prendre un billet. Je savais dans tous les cas que tu allais prendre le billet. Mais, dans tous les cas, tu vas me le redonner. La règle que j'ai donnée, c'est que si tu ne me le redonnes pas en bas de 5 minutes, tu as perdu. Comme t'as échoué. Mais tu me l'as redonné, assez vite. Donc, tu as passé le test. Il a passé le test de loyauté. Bichon, t'as passé le test. Donc, là, maintenant. C'est quoi que je gagne? Je suis content? Bravo, Bichon! T'as gagné! T'as passé le test de loyauté, bro! Non, c'est quoi ça? J'aurais dû garder, bro. C'est quoi ça? Mais tu. Oh non, pas t'as passé le test? T'as passé le test, Heist? T'as passé le test?
Bravo, t'as passé le test. J'ai toujours voulu faire ça. Ça goûte des bonbons en plus, goûte. Non, je n'ai pas. C'est dégueulasse, hein. Bref, les gars, voilà pour la vidéo. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis, dites dans les commentaires si vous voulez que je fasse le test à quelqu'un d'autre. En vrai, je ne peux pas le faire à un pote, hein. J'aurais vraiment peur que... Pas peur qu'il garde l'argent, mais genre... Je dis la même chose que toi. Oh, je sais pas, il y a combien d'argent là, j'ai retiré l'argent. Tu vois le gars en France qui fait tomber de l'argent. Lui, je sais pas comment il fait. Parce qu'à tout moment, la personne peut le garder et dire que c'est à elle. C'est ça. Mais je sais pas si je peux le faire à un pote. Je le fais ou pas? Ou à une pote. À une meuf, genre? Bon, ça se trouve, elle va appeler la police, bro. Tu m'as touché! Laisse-moi! Non, laisse-moi, c'est mon argent! C'est j'ai les preuves. J'ai la preuve en caméra, c'est vrai. Mais bon, je sais pas. Dis dans les commentaires, je peux faire le test à d'autres personnes. Bro. Je peux vraiment faire le test à d'autres personnes pour voir qui est loyal ou pas. Mais il a passé le test. En bas de 5 minutes, il m'a redonné l'argent, donc c'est bon. J'ai pas gagné 20 dollars. C'était pas pour que tu gagnes 20 dollars, c'était juste pour tester. Donne-moi ça. Oui. J'ai vraiment rien gagné. Non, t'as gagné que t'es loyal.